There are three main reasons why you can't understand conversational French. French as it is spoken by French people. Le français parlé de tous les jours. One, you might simply not know enough French vocabulary yet. You simply don't know enough French words. Two, the words that French people use don't seem to sound like the words that you have learned. And that's because we tend to eat a lot of our words. And three, there is the small problem of French liaisons. Today, we are talking about French liaisons. And we're going to do that in French, of course. And stick until the end, where you can listen to a fast and slow French sequence, the best way to get used to fast spoken French without the stress of having to answer back. Are you ready? So, welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Et oui, les liaisons en français, ça rend quand même un peu les choses difficiles. Regardez par exemple cette petite phrase toute simple. Vous connaissez tous les mots, mais une fois qu'ils sont utilisés dans une phrase en français parlé, les liaisons rendent les choses un peu difficiles. À cause des liaisons, c'est un peu difficile de reconnaître les mots que vous connaissez pourtant. Les deux amis sont allés en Italie. Les deux amis sont allés en Italie. Avec les liaisons, ami devient ami, aller devient aller, Italie devient Nitalie. Alors, c'est facile de paniquer quand vous entendez du parler français rapide, de ne plus reconnaître ces mots que vous connaissez pourtant. Mais je vous rassure, c'est quand même plutôt facile. Et surtout, apprendre à faire les liaisons en français et donc apprendre à les comprendre dans le français parlé, à les reconnaître quand vous les entendez, c'est le meilleur investissement que vous allez faire pour améliorer votre accent français et pour améliorer votre compréhension orale du français. Alors, apprendre à faire les liaisons en français, ça se fait en deux étapes. La première, c'est d'apprendre quand et comment on fait une liaison. Et la deuxième, c'est d'habituer votre oreille aux liaisons, de vous habituer à entendre et à reconnaître les liaisons. C'est-à-dire que quand vous entendez « amis » ou « deux amis », vous comprenez que ce n'est pas un nouveau mot que vous ne connaissez pas, mais que c'est en fait deux mots que vous connaissez très bien, « deux » et « amis ». Et c'est exactement pour cette raison que j'ai inclus à la fin de cet épisode le petit exercice du Fast and Slow French que vous avez déjà vu dans certains de mes autres épisodes. Cet exercice, il vous permet de vous habituer au français quand il est parlé rapidement, comme il est parlé dans la vie de tous les jours. De vous habituer aux sons, aux mots que l'on contracte et au rythme d'une vraie conversation française. Mais sans le stress d'avoir à participer à cette conversation et avec un support visuel pour vous aider à bien assimiler et à bien comprendre ce que vous entendez. Allez, c'est parti! Le concept des liaisons, il est vraiment très simple. Quand un mot se termine par une consonne muette, une consonne que l'on ne prononce pas, et que le mot suivant commence par une voyelle, cette consonne muette va se prononcer. Comme par exemple « les », le « s » de « les » ne se prononce pas, et le mot « enfant » qui commence par une voyelle. « Les enfants », »,« les enfants », »,« les enfants ». Un autre exemple, « son », le « n » à la fin de ce mot ne se prononce pas, et le mot « ami » qui commence donc par la voyelle « A. Son ami, son ami, son ami. C'est aussi simple que ça. Il y a une petite nuance qu'il faut comprendre. Quand on fait une liaison, c'est un peu comme si la
consonne finale du premier mot venait se coller au début du deuxième mot. Et vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas dit son ami, j'ai dit son ami, son ami. C'est comme si le N s'était bien déplacé au début du mot ami, son ami. Et ça, c'est la petite nuance quand même très importante qui va vous permettre de prononcer les liaisons comme il le faut, comme le font les Français. On regarde l'autre exemple, les enfants. Je n'ai pas dit les enfants, j'ai dit les enfants, les enfants. Et bien sûr, dans un parler français très très rapide, on a presque l'impression que les deux mots sont entièrement collés ensemble. Les enfants, les enfants. Quand on fait une liaison, les sons des consonnes changent parfois un petit peu. Comme dans cet exemple, ils ont deux enfants, ils ont deux enfants. On a deux liaisons ici, l'une avec le S de il et l'autre avec le X de deux. Ils ont deux enfants. Et ces deux liaisons, elles se prononcent exactement de la même façon. Elles se prononcent z. Jacques est un grand ami. Jacques est un grand ami. Quand on fait une liaison avec la lettre D, elle se prononcera toujours t, un grand ami. Il a 9 ans ou il est 9 heures. Quand on fait une liaison avec la lettre F, dans deux cas très particuliers, la lettre F se prononcera V. Et ces deux cas particuliers, c'est avec le mot en, une année, un an, et avec le mot heure. Il a 9 ans, il est 9 heures. Mais par contre, on dira ça coûte 9 euros ou il y a 9 enfants dans la cour de l'école. Et enfin, vous l'avez peut-être déjà remarqué, on peut aussi faire une liaison devant la lettre H. Il est 9 heures. Mais on ne fait la liaison qu'avec certains mots qui commencent avec la lettre H. Les mots qui commencent avec un H muet. Comme par exemple, heure, 9 heures. Le mot histoire, son histoire d'amour. Le mot homme, les hommes. Le mot hiver. En hiver, il fait très froid. Ce ne sont que quelques exemples de mots qui commencent avec un H muet. Il y en a beaucoup d'autres. Mais on ne fera pas de liaison avec les mots qui commencent avec un H aspiré. Les héros, les hauteurs de la ville, les haricots verts, les hausses des prix. Voilà, ce sont les bases que vous devez connaître pour bien faire les liaisons en français. Mais maintenant que vous connaissez les bases, on va passer aux détails. Des détails qui sont plutôt importants. Parfois, vous n'allez tout simplement pas entendre de liaison, même si le premier mot se termine par une consonne muette et le mot suivant commence par une voyelle. Il y a donc des liaisons interdites. Comme on vient d'en parler avec le H aspiré, il n'y a pas de liaison. On ne fait pas de liaison après le petit mot « et ». Isabelle et une amie viennent d'arriver. On ne fait pas de liaison après les verbes qui se terminent en « er ». Il aime aller au cinéma. Il aime aller au cinéma. Tu veux un café? Tu veux un café? Il part en train. Il part en train. On ne fait pas de liaison entre un sujet et son verbe, à moins que ce sujet soit un pronom sujet comme on, nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. Le train entre en gare, mais ils arrivent à 9 heures ou on arrive à 9 heures. Après un nom singulier suivi de son adjectif, on ne fera également pas de liaison. C'est un enfant intelligent. C'est un enfant intelligent. Après le mot « quand » suivi d'un verbe, « quand arrivez-vous ? » Après « combien ? » ?« Combien voulez-vous ? » Et après « comment ? » ?« Comment aimes-tu ton café ?» Attention, il y a une toute petite exception. On dira « comment allez-vous ? » ?»«
comment allez-vous? Il y a aussi des liaisons dites obligatoires, des liaisons obligatoires quand il faut toujours faire la liaison, et des liaisons facultatives. Mais je ne trouve pas ça bien utile d'apprendre ces listes par cœur. À partir du moment où vous avez une notion des liaisons interdites, faites de votre mieux pour faire les liaisons dans les autres cas. Personne ne va mourir si vous ne faites pas une liaison obligatoire, mais vous verrez que si vous ne vous mettez pas la pression, petit à petit, les liaisons vont venir tout naturellement. Après un petit moment, ça vous semblera tout simplement bizarre de ne pas faire une liaison quand elle est obligatoire. Vous vous rendrez compte bien vite qu'il y a une façon de prononcer ces mots qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus facile. Les enfants, c'est beaucoup plus facile de dire les enfants. Vous avez, c'est beaucoup plus fluide que de dire vous avez. Et sans elle, c'est beaucoup plus facile à prononcer que sans elle. Voilà, on va maintenant passer à la deuxième partie de cet épisode, le fast and slow French. Je vais commencer par vous lire un paragraphe dans un français rapide, comme on le parlerait dans une conversation normale en France. Ensuite, je vais répéter ce paragraphe dans un français un petit peu plus lent. Et enfin, je vous ferai réécouter le paragraphe en français très rapide, mais cette fois avec le support écrit, pour que vous puissiez comprendre et assimiler les endroits où l'on mange nos mots, les endroits où l'on a des liaisons qui forment de nouveaux sons. Alors ce paragraphe, c'est un entretien que j'ai entendu à la radio avec la chanteuse Carla Luciani. Ça peut même aller jusqu'aux liens amicaux, parce que moi, comme je suis une personne très intense, je crois que quand les gens deviennent mes amis, ça devient un peu aussi ma famille. Donc ça s'étend même aux liens amicaux. J'ai perdu des amis en cours de route, et ça, c'est vraiment douloureux. Parce que je trouve qu'en amour, on se prépare un peu toujours à perdre un amour. On se dit toujours, bon, peut-être qu'un matin, on va se réveiller et on s'aimera plus. C'est toujours quelque part, un peu dans un coin de notre tête, quand on est pessimiste, un peu comme moi. Alors que l'amitié, je sais pas. À chaque fois que je rencontre un nouvel ami, je me dis, ça c'est pour la vie, on va vieillir ensemble. Et du coup, quand je perds un ami, ça réveille en moi une tristesse terrible. Voilà, je vais relire ce paragraphe, cette fois-ci un petit peu moins rapidement. Ça peut même aller jusqu'aux liens amicaux. Parce que moi, quand je suis une personne très intense, je crois que quand les gens deviennent mes amis, ça devient un peu aussi ma famille. Donc, ça s'étend même aux liens amicaux. J'ai perdu des amis en cours de route. Et ça, c'est vraiment douloureux. Parce que je trouve qu'en amour, on se prépare toujours un peu à perdre un amour. On se dit toujours, peut-être qu'un matin, on va se réveiller et on s'aimera plus. C'est toujours quelque part un peu dans un coin de notre tête. Dans un coin de notre tête. Dans un coin de notre tête. Quand on est pessimiste, un peu comme moi. Alors que l'amitié, je sais pas. Alors que l'amitié, je ne sais pas. Alors que l'amitié, je sais pas. À chaque fois que je rencontre un nouvel ami, je me dis, ça, c'est pour la vie. On va vieillir ensemble. Et du coup, quand je perds un ami, ça réveille chez moi une tristesse terrible. Alors, quelle différence avez-vous entendue entre la première lecture très rapide et la deuxième lecture qui est un peu moins rapide, mais qui fait quand même les contractions et les liaisons que l'on ferait dans une conversation normale en français? Tout simplement une conversation un peu plus lente. Est-ce que vous avez compris un peu plus de cette conversation? Je vous laisse regarder la première version, mais cette fois-ci avec le support écrit. Dans ce support, je vais vous marquer toutes les liaisons et aussi toutes les contractions de chacun des mots que je ne prononce pas entièrement. Ça peut même aller jusqu'aux liens amicaux, parce que moi, comme je suis une personne très intense, je crois que quand les gens deviennent mes amis, ça devient un peu aussi ma famille. Donc ça s'étend même aux liens amicaux. J'ai perdu des amis en cours de route, et ça, c'est vraiment douloureux.
Parce que je trouve qu'en amour, on se prépare un peu toujours à perdre un amour. On se dit toujours, bon, peut-être qu'un matin, on va se réveiller et on ne s'aimera plus. C'est toujours quelque part, un peu dans un coin de notre tête, quand on est pessimiste, un peu comme moi. Alors que l'amitié, je sais pas. À chaque fois que je rencontre un nouvel ami, je me dis, ça c'est pour la vie, on va vieillir ensemble. Et du coup, quand je perds un ami, ça réveille en moi une tristesse terrible. Si vous aimez ce genre d'exercice, j'ai quelques épisodes à la fin desquels j'ai fait une séquence de Fast and Slow French. Je vais vous laisser ces liens en description. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.